80. Ce n'est pas gentil tout de même. On ne doit pas laisser la belle créature creuser des trous au cimetière toute seule. C'est pour votre petit mari, père, mère, tante, cousin, chienne. Ok, je me calme, mais vous aussi. Voilà cette bonne minute que vous êtes venu me trouver là. D'abord, vous ne m'avez pas dit bonjour, et encore moins je souhaite qu'on travaille comme on le fait d'habitude. Bon, si ce trou est pour un petit, il est trop grand. Et s'il est pour un grand, il est trop petit. Vous êtes veuve? Abandonnez peut-être. Vous avez une raison de... Ça ne vous amuse pas de temps en temps d'avaler votre langue? Ah, vous savez, madame, je n'aime pas trop le goût de ce muscle. Et ça me bouffe le cœur quand on se l'avale. Moi, ça me rend désagréable quand on se passe la poignée dans son cul. Au début, je voulais être une fille. Rien qu'une fille. Puis mère. Rien qu'une mère. Puis, je voulais construire de tombe à mes parents. Je voulais plein de choses maintenant. Quand tu grandissais, tu voulais plein de choses maintenant. Tu oubliais que tu ne voulais que l'innocence et la maternité. Désormais, tu veux du travail pour de l'argent et une maison. Et comme souvent ton sexe se bat, tu veux un homme pour me caresser le sexe avec le sien. Désormais, tu veux être coupable. Tu es obligé de... Mais souhait. Si je veux un homme, ce n'est pas uniquement pour taire les caprices de mon sexe. Mais c'est aussi parce que chez moi, ça fait pute une môme toute seule entre quatre murs. Tu déniches un homme parmi les millions qui gravitent autour de toi. Il n'est pas du tout beau, mais... Il a un toit et un sexe. C'est l'essentiel pour toi. Tu as le cœur bourré d'espoir. Avec lui, tu vas être une mère. Tu vas pouvoir construire les deux tombes de mes parents. La vie est donc belle et belle et belle. La vie est belle. Et cette nuit, pendant que tu dégustais la pianteur de ton corps plein de plaies, ton mari arrive pour te dire que sa bédaine est vide. Ah. Il n'y a rien à manger. Ça veut dire quoi, il n'y a rien à manger? C'est à toi que je parle. Tu n'entends pas? J'ai faim. Moi aussi. Mais il n'y a rien à préparer. Le riz, le mille, tout a fini, voilà trois jours. Et le boutiquier dit que vous avez dit de ne plus rien manger. Ah, ça vous regarde là-bas. Je n'ai rien à foutre avec deux bordels. Je veux manger un peu, c'est tout. Je n'ai jamais demandé la longueur de ta gueule. Vous voulez que... Quand je parle, vous la vous sinon... Tu vois où il veut en venir. Mais cette nuit, ton corps pue trop. Et tu ne peux pas cogner à chaque fois des odeurs. Calmement, tu lui dis. Vous me cognez, je le sais. Et c'est ce que vous faites déjà. Mais le problème est que cette nuit, mes narines ne veulent plus sentir le gars de mon corps pourri par beaucoup de poils. Ah ouais, tiens, tiens, tu fais la révèle avec moi? Je ne fais rien du tout, je te dis seulement que je ne veux plus que tu me cognes. Et en plus tu me dis quoi? Si je te cogne, qu'est-ce que tu vas me faire? Rien que tu ne sauras si tu ne me cognes pas. Et si par exemple je te donne ce coup? Arrête. Et sinon? Arrête. Sinon? Arrête. Et sinon? Arrête. 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 Arrête.